Salut les pêcheurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous la glace en Sibérie. Il fait froid comme vous pouvez le voir, c'est gelé partout. Mais on va quand même essayer de faire un poisson. C'est parti pour le prochain épisode. Voilà, les cannes sont à l'eau. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je suis gelé quoi. Déjà, je voulais m'excuser de ne pas avoir mis des vidéos ces derniers temps. J'ai eu plein d'imprévus, rien de grave, mais voilà, des contretemps qui ont fait que j'ai pas pu venir à la pêche. J'y étais quand même une fois avec Marc, ou sur un poste que moi j'avais jamais pêché. Marc avait déjà pêché, mais pas moi. Et on a eu 3 départs dans la matinée. J'avais fait une vidéo, ça aurait dû être l'épisode 7. Malheureusement, j'ai eu un souci de disque dur à la maison et j'ai quasiment tout perdu. Je vous mettrai une photo. Sur les 3 départs, on a sorti 2 belles communes où on est tous les deux en photo dessus. Et je vous mettrai une photo pour vous montrer. Mais malheureusement, les vidéos de cette session de pêche, je les ai perdues quoi. Donc ouais, je les ai perdus. Qu'est-ce que je voulais encore dire? J'avais une vidéo aussi de la Boily Box. Celle-là aussi, un roulage de Boily Box avec Nono qui était aussi sur le même disque dur. Donc celui-là aussi perdu. Et voilà. Donc on va essayer de se rattraper et faire l'épisode 7 aujourd'hui. Sur ce, je vous reprends si je fais du poisson. A toutes. Prépare le café. Nordine est venu me rendre visite, un ami. Il a froid. On se les pèle. Ouais. Il faut que je règle la luminosité. Hop. Voilà, c'est mieux. Ah, Papa Noël est là. Ouais, Papa Noël est là. On a froid, donc là on est en train de se faire
Le café, heureusement, il y a le chauffage. Un café qui est en train de chauffer parce que franchement, on est en train de geler. Après, c'est joli, ça je dis pas, mais bon, ça pique le froid quand même. Moi, ça fait un peu plus d'une demi-heure que ça pêche, toujours rien. On va espérer que on ait quand même un petit départ dans cette vidéo. Toujours pas de départ. J'ai une carpe, je sais pas si ça va se voir. J'étais en train de faire une prise de vue et il y en a une qui est juste remontée à 1 mètre de ma canne. Alors, je sais pas si on va le voir sur la prise de vue, ça je verrai au montage après derrière. Voilà, j'ai pas pu amorcer, entretenir le poste ces derniers jours, peut-être pour ça que ça déroule pas. Après il y a aussi le froid, il y a tout qui a gelé, l'eau elle a perdu 3-4 degrés en une semaine, c'est beaucoup. Marc a un peu entretenu le poste quand j'étais pas là, la fois où il a sorti un beau poisson, Marc, ici, une 15 kg, une miroir. Je vous montrerai une photo si j'arrive encore à en trouver une, parce que à cause de mon problème de disque dur, j'étais venu le prendre en photo, j'étais venu le filmer avec le poisson et tout ça s'est perdu malheureusement. Et voilà. Ce que je ferai aussi, je suis allé filmer un ami à moi qui s'appelle Manu, qui a aussi fait un beau poisson sur un poste un peu plus haut. Je vous mettrai les images à la fin de la vidéo de son poisson. Je les ai aussi perdus, mais je lui ai donné avant de les perdre. Donc je vais pouvoir les récupérer chez lui, les images, et je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Je vais rester encore une petite demi-heure, et puis on va espérer que pendant cette demi-heure, ça déroule. Donc voilà. Là, j'y croyais, là, quand la carpe elle est remontée, puisque c'est rare qu'elle remonte au canal, et en plus... Quand il fait froid comme ça, encore plus rare, elle est remontée là, je me suis dit ça va partir. Mais bon. On est quand même le 12 décembre, hein, il fait très froid, donc... c'est sûr que ça va commencer à mordre moins ces prochains temps. Ah, voilà la vue que j'ai. Mon petit café, j'ai le chauffage juste là à côté, il tient bien chaud. Et voilà, je suis bien posé dans la voiture avec une belle vue. Il n'y a plus qu'à, en espérant que ça parte. Bon, voilà, pendant que je me réchauffe dans la voiture, hein. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je regarde des vidéos sur YouTube. Et oui. En attendant le départ. Donc, salut Manu. Si tu regardes la vidéo, tu vois, je suis en train de mater de la dernière que tu viens de poster. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vais en profiter que ça ne mord pas pour vous montrer une nouvelle acquisition que j'ai faite. Deux nouvelles acquisitions en fait. Donc il y a ces attaches pour les cannes, parce qu'en fait cette année j'ai perdu une canne au canal. Vous voyez, tac, c'est super pratique parce qu'avec ça il n'y a plus de risque de perdre les cannes. Elles sont bien attachées. C'est un peu, il faut penser à le déclipser avant de ferrer, mais c'est pas mal. Je vais acheter ça, c'est la marque Mac 2, je crois, hein, c'est les moins chers que j'ai trouvé. Et ensuite, il y a des nouveaux beepers. Voilà, les nouveaux beepers. C'est Manu de No Suicide Carp qui commercialise ces beepers. Et effectivement, ils ont l'air de bonne qualité, bien robustes.
Donc je suis vraiment content de mon achat pour le moment. Merci Manu. Ils ont déjà déroulé ces beepers dans ce qui aurait dû être l'épisode 7 où j'ai perdu toutes les vidéos quand j'étais avec Marc, qu'on a fait les deux communes. Ils ont déroulé. Donc j'ai déjà pu un peu les tester. Et je suis vraiment content quoi. Je vais vous montrer pourquoi j'ai changé de beeper. Alors, malheureusement, j'ai pas mes anciens beepers sur moi, j'ai juste l'ancienne centrale. Donc en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est des Team Car Fishing. Ils sont verts, enfin vous, si vous le voyez, c'est ceux que j'avais sur les anciennes vidéos. Et pourquoi j'ai changé de beeper? Parce que tout simplement, ces beepers utilisent ces piles. C'est des piles cheloues, c'est des A23. Si vous allez voir, voilà, A23. Et ces piles-là coûtent très cher et elles ont une autonomie de merde. Je passais mon temps à changer mes piles alors que je pêche que 2-3 heures le matin. Enfin, je ne m'amuse pas à faire des 24 heures ou très rarement. Et je passe quand même mon temps à changer ces piles qui coûtent très cher. Donc ça m'a énervé. J'ai aussi un beeper, le bleu. Je l'ai changé deux fois sous garantie, je l'ai ramené. Parce qu'ils ne prenaient plus la centrale. Donc franchement, ils sont en promo en ce moment sur Pacific Pêche, mais je vous les conseille pas du tout quoi. Franchement, et à éviter. Je crois qu'ils sont à 170 euros et là en promo à 69 euros. Donc déjà, il y a un problème quand un produit il est mis en promo avec une telle différence de prix. C'est que ça cache quelque chose quoi. Donc voilà, à éviter. Si vous voyez ces centrales et ces beepers, je vous les conseille pas du tout. Parce qu'il y a ces piles de merde. A l'inverse, il y a les beepers de Manu de nos Sousa et Carpe. Et ceux-là, ils ont été intelligents. Ils ont mis, je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir là. Voilà. Hop. Il fait froid, je suis gelé. Voilà, ils ont mis des piles de télécommande, les piles qui coûtent pas cher, et voilà. Donc ça déjà, ça a été un critère dans le choix de mes nouveaux beepers. Voilà, et ils ont l'air vraiment robustes. C'est dommage que j'ai pas les anciens sur moi, j'aurais pu les faire une comparaison, mais ils ont vraiment l'air bien robustes ceux-là, quoi. En plus, ils sont fournis avec les piles, et voilà. Il y a le centre qui s'allume. Tac. Il y a le centre qui est lumineux, comme vous pouvez le voir. Et ils sont vraiment bien finis, ils sont beaux. En tout cas, voilà. Je suis content de mon achat pour le moment. Merci Manu. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site de nos Sousa et Carpe. Et je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis, vous connaissez déjà tous Manu de nos Sousa et Carpe. Voilà. A plus. Je rajoute pendant que j'y suis. Hop, voici la centrale qui va avec. Donc là, elle est allumée. J'en ai pas vraiment besoin parce que je suis à côté des cannes, mais voilà, il y a un interrupteur. Pareil, les piles. C'est des piles de télécommande, du coup c'est pas cher et je pense qu'elles ont beaucoup plus d'autonomie que les petites piles pourries que j'avais avec les autres trucs, avec les autres beepers. Bon ben voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Eh ben c'est un gros capot. J'ai les cannes encore à l'eau, mais je vais remballer. Il fait vraiment très froid. J'ai les mains gelées à tenir la caméra. Donc voilà. Je vais vous laisser sur des images de mon ami Manu, comme je vous disais, en bonus à la fin de la vidéo. Il a fait un très beau poisson la semaine dernière, sur un poste un peu plus haut. Je vous laisse sur les images avec lui. Moi, je vous remercie. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, promis. Enfin, promis. C'est jamais avec la pêche, mais je vais essayer de faire du poisson. Voilà, je vous laisse.
la prochaine. Ciao les pêcheurs. C'était Saito pour Carp Canal Monster. Ciao. Bon, voilà. On a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Après une décroche de Marc, qui n'est malheureusement pas en vidéo parce que je suis vite allé chercher des sandwichs dans la voiture et des batteries parce que j'avais plus de batterie. Et il a juste eu un départ à ce moment-là. Et une heure après, à peu près, départ pour moi. Le premier. Et celle-ci. Voilà. 9 kilos. Et pendant qu'on était en train de la mettre dans le tapis, je voulais préparer les caméras. Deuxième départ pour Marc. Voilà. 9 kilos aussi. La mienne paraît un tout petit peu plus grosse, mais en poids, elles sont identiques. Donc ça fait plaisir. Un doublé. Quoi, tu as tout? Ouais, ouais. Un doublé, là, c'est... Ça fait plaisir. Alors, ça. La mienne, elle a des couleurs un peu plus pâles et un peu orangées en dessous. Ah, t'inquiète pas, toi. On prendra les photos de l'appareil, tu sais. Et celle à Marc, elle est couleur dorée, mais magnifique, quoi. Et aussi un peu orangée en dessous. Mais attends, ouais. Elle est sympa. Ouais. Voilà. Là, ça fait vraiment plaisir, ouais, ouais, là. Bon. On prend avec la tienne. Attends, ouais. Ah ouais, t'inquiète pas, je t'enverrai les... Hop. Tiens, prends-la dans l'autre sens. Comme ça, on a les deux têtes l'une à côté de l'autre. Voilà. On dirait deux jumelles. Elles sont vraiment belles, quoi. Bravo, Marc. Bravo. Bon, la deuxième, je la sors, mais c'est sur la canne à Marc, quoi. C'est juste que vu qu'elle est à 100 mètres, on a dû courir pour... J'étais le premier dessus. Mais c'est le poisson à Marc. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de faire un double du poisson. Départ. Ouais. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est le premier double départ qu'il y aura en vidéo. C'est pas possible qu'elle a le même poids. Écoute. Ouais, ouais, on y va. Joli poisson. Ouais. On va faire quelques photos et puis on va les remettre à l'eau. Bon cadeau de Noël, les gars. Merci à Dindon d'être venu pour filmer cet instant. 1er décembre, pêche rapide au canal. Merci Saito d'être là. Ah, est magnifique, bravo à toi. Ah, au poisson aussi, bien sûr. 1er décembre, les gars, premier jour du mois de Noël, j'ai déjà mon cadeau. Miroir, hors norme du canal. Un beau bébé. Regardez ça. Ça fait plaisir. On va tout en puissance. J'ai mon cadeau de Noël là. Oh. Ah. 1er décembre, ça le fait. Ah oui, carrément. Ça le fait de se lever tôt le matin alors qu'il caille. Ah, est belle. Elle magnifique, vraiment... cette pêche rapide. Elle est vraiment belle. En plus, t'as de la chance, il y a du soleil. Ouais. Merci à toi, Saito. Ouais. Sans toi, j'ai pas ces images. Ouais, pas de problème. Si tu peux m'appeler tous les jours pour des poissons comme ça. Bon, allez, les gars, on va remettre là. Carte dans son élément. On va aller la remettre à l'eau, ouais. Super. Merci, Saito. Et merci à toi. On se recroisera. Super. Super. Là c'est une pêche réussie. Allez, mon petit. On prend la liberté.
prends un nouveau, ça arrive. Elle a l'air bien en forme en plus.